Paris pauvre est un message lourd. Hier, la bouche de la foule, et mon salut, mon sage de la sienne. Une bête bête au Paris. Bonsoir chers internautes, bonsoir les frères, les connaissances, mes amis. Moi c'est Bokei Ange, disciple du seul vrai prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui, Kakou Philippe. Et encore ce soir, c'est un réel encore plaisir pour moi d'être encore sur ce plateau pour la parole de Dieu, pour l'explication du message du prophète Kakou Philippe et aussi pour l'explication encore de la Bible. Et ainsi que le prophète vivant de notre temps. Donc, partagez vraiment ce direct au maximum dans les groupes que vous trouvez. Et aussi invitez votre proche, votre connaissance à s'abonner sur ma page Kei Ange officiel. Car sur cette page, comme vous le constatez, c'est l'explication de la parole de Dieu et du prophète vivant de notre temps, Kakou Philippe. Ce soir, ce thème qui a été choisi, c'est la mise à jour de Jean 3:16. Oui. Jean 3:16 sera mis à jour ce soir. Vraiment, restez connectés. Et aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes dans un désert spirituel. Car il est dit aussi qu'à la fin des temps, il y aura des abominations sur la terre. Le diable descendra avec la grande colère. Donc, toute la terre sera dans la sédition. Donc, nous sommes à la fin des temps, au temps de Noé, avec la sédition, la grande sédition. Et nous sommes dans un désert. Et aussi au désert, comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a rien que nous voyons dans ce monde ici, puisque au désert du Sinaï là-bas, le peuple demandait à Moïse de retourner en Égypte puisqu'ils avaient besoin des comme les poireaux. Ils n'avaient pas besoin de la manne qui descendait du ciel. Au désert, c'est une manne fraîche qui descend du ciel. Et nous sommes dans un désert spirituel aujourd'hui, comme il est dit dans Apocalypse 12 aussi 14. À la fin des temps, une femme sera manifestée avec les deux ailes du grand aigle pour porter les élus loin de la face du serpent. Et nous sommes à ce temps-là. Donc, partagez vraiment ce direct au maximum dans le groupe. Avant de commencer, je vais prendre 2 minutes jusqu'à ce que vous vous abonnez et que vous aussi, ceux qui sont encore en retard, puissent nous prendre en marche puisque ce direct était annoncé. Et aussi, avant de commencer, aussi, je vous attends. Abonnez-vous, partagez direct ce direct au maximum dans le groupe aussi. À tout à l'heure. Yeah.
D'accord, nous allons rentrer dans le sujet comme thème ce soir, la mise à jour de Jean 3:16. Nous allons lire d'abord Jean 3:16 avant de commencer. Jean 3:16. Je lis, je fais la lecture. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On dit amen à ce verset, car c'est la parole de Dieu. Et aussi, c'est de cela que je désire parler ce soir. Car aujourd'hui, nous voyons que l'humanité, voyant ce verset, on limitait Dieu. Voyant le verset de Jean 3:16, l'humanité n'avance plus. Voyant le verset de Jean 3:16, l'humanité se confie à un livre. L'humanité ne veut plus avancer. Donc voilà pourquoi j'ai trouvé bon et vraiment précieux ce soir pour échanger sur ce thème-là. Sur ce thème-là, pourquoi? Parce que l'humanité souffre face à ce thème-là. Face à ce verset de Jean 3:16, voilà pourquoi nous, ayant la lumière de cette génération, nous qui avons reçu le prophète vivant de notre temps, car la révélation est progressive, le prophète maintenant nous a expliqué, puisque nous aussi on était dans cette conception, et le prophète nous a expliqué par la révélation, et aujourd'hui je vais vous porter cette révélation à votre connaissance aussi, pour que aussi ceux qui ont l'amour de la vérité, comme Jean 8, verset 32 le dit, reçoivent cette vérité et croient après, quittent dans ces églises et croient ce messager que nous allons présenter ce soir. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche aussi, le thème, c'est la mise à jour de Jean 3:16. Et je viens à peine de lire Jean 3:16. Jean 3:16 se tient dans la Bible de tous ceux qui utilisent. Tous ceux qui utilisent la Bible sur toute la face de la terre, Jean 3:16 se trouve dans leur Bible. De quoi je vais parler ce soir en prenant ce verset? Au fait, mes connaissances, mes amis, ceux que aussi je ne connais pas, mes prochains, écoutez bien, prêtez vraiment attention, car c'est très important. C'est ce qui vous donnera le salut ou c'est ce qui vous conduira aussi en enfer. Parce que littéralement Jean 3:16 et limiter Dieu à Jean 3:16, cela vient du diable. Pourquoi? Dans les temps passés, Jean c'est un apôtre de Jésus. Et Jean 3:16, c'est depuis l'an 30 que ce verset est apparu. Donc cela sous-entend que si on doit suivre la conception des religieux aujourd'hui, c'est que avant Jésus, avant l'an 30, Dieu n'aimait pas le monde. C'est que, au temps de Moïse, Dieu n'aimait pas la terre. C'est qu'au temps des prophètes qui sont venus avant Jésus, Jean-Baptiste, Dieu n'aimait pas la terre. C'est comme ça, si on doit lire littéralement, comme les religieux le comprennent aujourd'hui, c'est comme ça que tous on va comprendre. C'est que Dieu a commencé à aimer le monde à partir de Jésus à l'an 30. Dieu a commencé à sauver à partir de Jésus à l'an 30. Mais mes amis, je vous dis que c'est faux. Tous ceux qui vont me suivre, qui vont regarder cette vidéo aussi, partout où ils vont se trouver, enlevez cette conception de Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde, vous limitez Dieu à un seul fils unique qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cette conception est diabolique. Dieu n'a pas commencé à aimer le monde à partir de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a commencé à aimer le monde depuis la création, depuis Adam. C'est parce que depuis Adam, Dieu a commencé à aimer le monde que dans le premier jardin même, le premier homme qui a été dans le jardin de Dieu, c'était un homme Adam. C'est pas Jésus de Nazareth. Vous voyez, Adam a été créé par les propres mains de Dieu. Et Dieu l'a déposé dans son jardin que lui-même il a créé. C'est quand Adam a allé contre Dieu que Dieu l'a éloigné de son jardin. Vous voyez? Donc, en réalité, Jean 3:16 a commencé
depuis Adam. Dieu a tant aimé le monde qui créa le monde et aussi créa l'homme dans ce monde qu'il a tant aimé et l'homme aussi qu'il a aimé et aussi il a donné aussi l'être puisqu'il a, il a dit qu'il n'est pas trop bon que l'homme soit seul. Dieu l'a créé aussi une aide pour être dans ce monde là. Et Dieu ayant a tant aimé le monde a dit reproduisez-vous pour que ce monde puisse être puisse agrandir, pour que ce monde que j'ai tant aimé, que j'ai créé, vous puissiez vous multiplier sur la terre et remplissant ce monde. Et nous avons vu de deux hommes aujourd'hui, nous sommes plus de 8 milliards d'habitants d'hommes sur la terre aujourd'hui. Car c'est parce que Dieu a aimé le monde qu'il a dit aux deux hommes là-bas, multipliez-vous. Et aujourd'hui, les hommes se sont multipliés. Et nous voyons que des générations passent. Il y a eu des, après Adam, il y a eu après la génération, logis d'Adam, Adam a eu des enfants. Et aussi, les enfants d'Adam ont eu des enfants jusqu'à aujourd'hui à nous. Donc, après les générations d'Adam, ainsi de suite, il veut une génération de Noé. Donc, vous devez savoir que Jean 3, 16 s'est manifesté depuis le commencement. C'est parce que Dieu a aimé le monde qu'aujourd'hui, il a permis que l'homme puisse se reproduire par la femme. Avec la femme. Vous voyez? Maintenant, nous venons au temps de Noé. Dieu a aimé le monde au temps de Adam, au temps de Enoch, ainsi de suite. Nous venons au temps de Noé. Qu'est-ce que Dieu dit dans les Écritures que vous tenez dans votre main? Vous êtes bibliques. Vous êtes bibliques. Vous aimez les Écritures. Vous adorez les Écritures. Nous allons rentrer dans ces Écritures que vous aimez tant, que vous adorez tant. Qu'est-ce que ces Écritures disent? Puisque vous dites que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique et ça finit aujourd'hui. Jésus, c'est Jésus ou rien. C'est Jésus. Nous, c'est Jésus ou rien. Mes amis, vous serez délivrés aujourd'hui de moi, c'est Jésus de Nazareth ou rien. Parce que non seulement il va venir à Allah. Nous allons aller directement dans la Bible. Nous allons prendre en Genèse 6 d'abord, au verset 8. Genèse 6, le verset 8. Je fais la lecture. Au verset 7 d'abord, au verset 7 avant d'aller au 8. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux des cieux. Car je me repens de les avoir créés. Ça veut dire que Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Mais pourquoi Dieu se répand? Pourquoi Dieu qui a tant aimé le monde au temps de Adam regrette d'avoir créé l'homme au Genèse 6, verset 7? C'est parce que il y avait de l'abomination sur la terre. C'est parce que des gens n'aimaient pas la vérité. C'est parce que des gens limitaient Dieu à un livre. Au temps de Noé, les gens disaient que c'était Enoch qui était important, le livre d'Enoch, le livre d'Adam. Alors que Dieu avait tant aimé le monde, il a envoyé Noé, il a envoyé Adam, Enoch. Vous êtes au temps de Noé, Dieu vous aime aussi, va vous envoyer aussi un homme. Mais il ne voulait pas d'un homme, mais il voulait un livre, comme vous aujourd'hui. Nous allons continuer au verset 8. Dieu est en colère là, Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Amen. Ah, donc sur la terre, un homme peut trouver grâce aux yeux de Dieu. Il n'est pas dit que la génération trouva grâce aux yeux de Dieu. Il n'est pas dit que les pasteurs trouva grâce aux yeux de Dieu, les bishops, les imams, les bouddhistes trouva grâce aux yeux de Dieu. Mais il est dit un homme du nom de Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Vous voyez? Et nous allons aller directement dans Genèse 7, verset 1. Dans Genèse 7, puisque Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc nous allons lire dans Genèse 7, le verset 1. Et l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison,
car je t'ai vu juste devant moi Dieu, en cette génération. Amen. Donc il a parlé de génération. Ça veut dire que vous voyez qu'il y a génération. Il a dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta maison, car mon Dieu, je t'ai vu juste en cette génération. Dieu avait tant aimé le monde. Ce Jean 3:16 que vous voyez là. En fait, au temps de tous ces prophètes et Noé qui est en train de citer, Jean 3:16 était dans l'ombre. Parce que la révélation est progressive. Mais Dieu, depuis le commencement, avait déjà manifesté Jean 3:16 en nous envoyant un prophète. Et voilà pour confirmer que Jean 3:16 était de l'actualité. Jean 3:16 était déjà manifesté. Dieu, vous voyez ce verset de Genèse 6, Genèse 6, verset 8. Quand vous lisez au verset jusqu'au 9, quand vous allez prendre Genèse 7, verset 1, il est dit Dieu a trouvé d'abord grâce aux yeux de Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Maintenant, Genèse 6, 7, verset 1, il est dit là-bas encore que Dieu dit à Noé, je t'ai trouvé juste en cette génération. Donc, vous devez savoir que au temps de Noé, Dieu avait tant aimé le monde qu'il a donné son fils Noé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle après sa mort. Amen. C'est cela. Pourquoi vous limitez Dieu par un seul verset, Jean 3:16? Non, Dieu, c'est mes amis, soyez délivrés. Donc, en cette génération de Noé, Noé était le seul homme. Il a bien dit Noé. Il n'a pas dit des Noé. Il n'a pas dit le monde. Il a dit un homme. Un homme. On dit un. C'est bien précisé. Et ils ont donné un et puis en plus son nom. Noé que vous connaissez. Vous lisez les messages de Noé. Vous voyez? Donc, après la génération de Noé, vers Abraham, la génération d'Abraham. Aujourd'hui, les Ismaélites, les musulmans disent que les pères c'est Abraham. Les pères c'est Abraham. Vous voyez? Donc ce Abraham était venu sur la terre. Mais Dieu aussi aima le monde au temps de Noé, au temps d'Abraham, donnant son fils unique Abraham, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle après sa mort. Et Dieu me promit à Abraham encore pour dire que ta postérité ira en esclavage. Et moi, Dieu, j'enverrai un défenseur, un sauveur. Je manifesterai encore Jean 3:16 pour libérer ta postérité. Dieu a tant aimé le monde que cette prophétie est accomplie au temps de Moïse. Et Dieu rencontra un homme du nom de Moïse. Dieu a trouvé Moïse juste sur toute la face de la terre pour libérer son peuple qui était en captivité en Égypte 400 ans. Vous voyez? Et Dieu aima le monde là-bas qui donna son fils unique Moïse pour venir libérer son peuple de l'Égypte. Et Moïse a accompli la parole de Dieu. Au temps de Jérémie, pour que, puisque Israël était en conflit avec les pays là-bas, et si Israël devait se rendre à Nebuchadnezzar ou pas, personne ne pouvait savoir parce que Israël était armé, Israël était soutenu. Mais un prophète trouva grâce, un homme trouva grâce aux yeux de Dieu, du nom de Jérémie, et Dieu a apporté Jérémie. Nous allons lire dans le livre de Jérémie comment Jérémie a été manifesté. Jérémie 1, verset 4. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié. Et je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. Donc, Jean-Baptiste et Jérémie a été établi prophète pour des nations. Donc, Jean 3:16 s'est remanifesté encore là-bas, mais c'était dans l'ombre. Puisque Dieu s'est pas
étape par la révélation qui est progressive. Dieu, il sait comment il place, puisqu'il a dit la nuée qui place les choses. Donc Dieu sait comment il place les choses. Donc là, Jean 3,16 était encore dans l'ombre, mais était manifesté en Jérémie. Et Jérémie pouvait dire au peuple, sa génération de son temps, que Dieu m'a dit que l'Israël doit se rendre à Nebuchadnezzar. Et nous avons vu que le roi là-bas n'a pas obéi. La suite, quand vous avez lu Jérémie, vous allez voir que ses enfants étaient, il a été pris même, ses yeux ont été cassés, il est resté en vous voyez, sans les yeux, ses deux yeux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté le Jean 3,16 de son temps qui était le Jérémie. Jésus-Christ est manifesté dans la plénitude de Dieu. Oui, est venu faire connaître le nom de Dieu. Est venu maintenant faire connaître Jean 3,16 à l'humanité que en réalité, Jean 3,16, Dieu a toujours aimé le monde, qui donna toujours son prophète en chaque génération. Et là maintenant, il est parlé de fils unique. Qu'est-ce que ce verset veut parler? Qu'est-ce que ce verset veut dire en parlant du fils unique? Quand vous prenez Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, ce verset est manifesté par Jésus. Jésus maintenant donne ce verset de Jean 3,16. Ça veut dire quoi? Le verset veut dire en réalité que en une génération, quand vous avez lu Noé, tout à l'heure, si vous suivez bien, quand vous avez lu Noé, il a dit que Noé était une seule personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu l'a trouvé juste. Vous-même, on dit une seule personne parmi tant d'hommes sur la terre. Ça veut dire que nous tous, nous sommes la créature de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais parmi les enfants de Dieu, il y a le seul fils unique à qui Dieu parle. Et c'est lui qui rapporte au peuple aimé de Dieu. Aujourd'hui, vous n'allez pas accepter ça. Vous allez rejeter ça. Puisque vous n'êtes pas créés par la parole. Mais ceux qui sont créés par la parole vont recevoir cela en bien et vont croire cela. Je prends un exemple. Pour que vous puissiez comprendre terre à terre, chanellement ici. Vous, un homme, il se marie, il va avoir des enfants. Pourquoi toi, un homme qui a des enfants, quand on te demande, monsieur, ou d'abord, avant de prendre cet exemple, quand vous mettez un enfant au monde, cet enfant, vous l'appelez l'aîné si vous avez plusieurs enfants. Mais pourquoi lui seul, il porte le titre de l'aîné, et puis les autres là, vous les laissez. Est-ce que les autres, cela veut dire que les autres ne sont pas vos enfants? Les autres sont vos enfants, mais parmi vos enfants, il y a l'aîné qui est là. C'est cela, Jean 3,16. Parmi le peuple de Dieu qui est là, c'est les enfants de Dieu, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Mais il y a l'aîné qui est Jean 3,16, qui est le fils unique. Voilà pourquoi, si on vous pose, monsieur Quadio, tu as combien d'enfants? Il y a 10 enfants. Tu as combien d'enfants uniques? Il y a un seul enfant unique. Vous voyez, tu as combien d'enfants aînés? Il y a un seul enfant aîné. Si quelqu'un vous dit qu'il a 2 enfants aînés, vous allez voir qu'il a un problème, on doit l'avoir à Benjerville. Vous voyez, personne ne peut vous dire qu'il a 2 enfants, 3 enfants l'aîné. Il va dire qu'il y a un seul fils aîné. Vous voyez, et l'aîné croit tout le reste. C'est cela dans la parole de Dieu. Le fils unique, c'est le prophète vivant de votre temps qui croit sa génération, qui est la révélation de Dieu pour venir porter à ses petits frères, à ses enfants. Vous voyez, c'est cela. Vous direz certainement qu'il peut y avoir des jumeaux. Si les jumeaux sortent, monsieur, madame, les jumeaux ne sortent pas en même temps. Forcé, il y a un qui sortira avant l'autre. Donc celui qui sortira avant l'autre, il est le fils unique, il est l'aîné. C'est cela. Donc pour les hommes, vous comprenez les choses, vous donnez le titre de l'aîné à vos enfants, mais pour Dieu aussi ne donnera pas aussi le titre que vous avez donné chanellement l'aîné. Il donnera aussi lui son titre à lui qui est son fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Quand vous allez lire Actes 9 après Jésus-Christ, Paul a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et sur le chemin de Damas, dans Actes 9, verset 4 là-bas, une lumière a resplendi sur la terre. Et Paul a demandé à cette lumière, qui es-tu? Il dit, c'est Jésus que tu persécutes. Mais je t'envoie. Et
Jésus l'a envoyé. Et vous allez voir dans Actes 13, verset 47, il a été dit à Paul que je t'ai établi pour être la lumière des nations jusqu'au bout de la terre. Vous voyez, quand vous allez lire encore Galates 1, verset 15 là-bas, vous verrez qu'il a dit que, je vais lire pour que vous puissiez comprendre encore. Vous pensez qu'il a fait des dieux là? C'est pas de l'amusement, hein. Mais des gens, nous sommes en train de faire des vidéos parce que des gens vont en enfer. Parce que des églises envoient des gens en enfer. Galates 1, verset 15. Paul dit, mais quand il plut à Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler le Fils en moi. Ah, donc Jean 3, 16, le Fils que vous attribuez à Jésus, Paul pouvait être fils aussi. Donc Dieu pouvait révéler le Fils en Paul. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Dieu, il a plu à Dieu après Jésus de Nazareth de révéler le Fils en Paul. Paul était qui? Paul est mort pour qui à la croix? Personne. Mais Paul dit, c'est que je suis en train de vous dire là, si vous ne croyez pas, même si un ange descend du ciel, si votre pasteur vient dire qu'il ressuscite les morts devant vous, il fait des miracles, vous voyez que vous dites, lui là, c'est un grand homme de Dieu. Si vous ne m'écoutez pas, Paul, vous êtes maudit à jamais. Et aujourd'hui, Dieu aime toujours le monde. Dieu aima le monde, cette génération du 21e siècle, a donné son Fils unique. Et son Fils unique aujourd'hui, et son Fils unique qui a été renvoyé de l'école en classe de 3e. Pourquoi? Parce que pour les hommes, ils ne connaissent pas les papiers pour aller plus loin à l'école. Parce que un homme, son Fils unique, a été aide-maçon avec les Ghanéens en 1993, reçoit maintenant la visitation de Dieu qui est Kakou Philippe. Et il a eu trois grandes visions. Et lui a été dit, prononce le jugement, le changement de vie. Et il lui a été dit que au temps marqué, tu prêcheras ce que tu as vu, que tu n'as pas compris, qui était dans une langue inconnue. Le temps arrivera, ça sera interprété. Et nous avons vu que le temps, après 9 ans plus tard, le 8 juillet 2002, l'ange de l'agneau qui est apparu est revenu pour lui dire, prêche ce message car tu es le Fils unique de cette génération. C'est cela, mes amis. C'est cela, mes parents, mes connaissances. Jean 3, 16 est manifesté en cette génération que vous êtes en train de rejeter. Il est dit dans les Écritures, dans Matthieu 24, verset 27, comme l'éclair part de l'Orient et va en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Je vous ai dit que Dieu fait les choses pas à pas. Dieu, c'est la nuée qui place les choses. Donc lui, il a son temps à lui, où il va placer cette parole. Jean 3, 16 était manifesté au commencement, mais en esprit et aussi dans le brouillard. Donc Dieu savait qu'un temps viendrait qu'il va manifester ce verset-là. Parce que s'il manifestait ce verset au commencement, lui Dieu, il sait comment peut-être la génération qui viendra va prendre. Mais il a manifesté cela, vous voyez, en l'an 30. Donc, Kakou Philippe, Dieu aimant Kakou Philippe, Dieu voyant Kakou Philippe juste sur la terre, parce qu'il a été dit dans la vision que Kakou Philippe, avant que l'ange de l'agneau ne descende, toute la terre était ténèbre. Vous voyez? Donc toute la terre était corrompue. Les hommes pensaient que les Tibiochois étaient des hommes de Dieu, les Makos étaient des hommes de Dieu, les musulmans étaient des hommes de Dieu, les bouddhistes étaient des hommes de Dieu. Tous ceux qui prononçaient Jésus, on les voyait comme des hommes de Dieu. Tous ceux qui prêchaient Jésus dans les rues, on les voyait comme des hommes de Dieu. Vous voyez? On les craignait. Alors que avant que cette lumière descende, nous étions versés dans les abominations. Nous étions limités. Vous voyez? Et Dieu maintenant est descendu avec une lumière, avec un message nouveau qui donna à Kakou Philippe. Donc Jean 3, 16 est manifesté dans cette génération. Dieu ayant aimé le monde, donna son Fils unique, Kakou Philippe, en cette génération. Enfin, que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne mourra point après sa mort. Puisque après cette mort, il aura encore l'enlèvement et le jugement. Si tu rates la vie éternelle, c'est la mort en enfer. Oui, l'enfer, c'est la mort. Et cette deuxième mort est terrible. Et nous n'invitons, nous n'encourageons personne d'aller accepter cette deuxième mort. Donc, ce message de Kakou Philippe révèle beaucoup de mystères aujourd'hui. Par exemple, la peau noire. Dieu a commencé à créer Adam et Ève. Est-ce que Adam et Ève étaient noirs? Montrez-nous cela dans les Écritures. Si Adam et Ève étaient noirs, mais pourquoi en Égypte? Quand Pharaon dit tuer tous les bébés juifs,
pourquoi Moïse qui a été dans la maison de Pharaon n'a pas été reconnu? Puisque si avait les Égyptiens étaient les noirs, Pharaon c'est en Égypte, il sera noir, Moïse sera blanc. Mais pourquoi Moïse n'a pas été tué? C'est parce que Moïse avait la même peau de couleur de peau que Pharaon. Donc là-bas il n'y avait pas de distinction. Donc tous ceux qui se basent que il y avait des hommes noirs au début sont des menteurs, sont des fils du diable. Et Dieu révéla par le prophète Kakou Philippe là, l'origine de la race noire. Et Dieu dit à Kakou Philippe que c'est à cause des malédictions que les Africains qui étaient l'Égypte faisait avant, qui est répété que ce, vous voyez, qui a fait qu'ils ont eu cette peau noire. Parce qu'ils adoraient, ils pensaient que leur Dieu c'était dans les cailloux, le véritable Dieu était dans les rivières, des bois sacrés. Mais après le passage de Moïse, ils sont répartis encore dans cette abomination, ayant connu la vérité, et Dieu frappa de cette lèpre noire à ce peuple égyptien qui est l'Afrique. Et aujourd'hui nous voyons que nous sommes versés de peau noire au-dessus de la terre. Mais comme je le disais, l'éclair parle de l'Orient et va en Occident, ainsi sera la vie, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Et il est aussi dit dans Marc 13, 35, veillez car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Et là-bas, il a été donné 4 temps prophétiques. Et Kakou Philippe vient aujourd'hui expliquer que le soleil de Matthieu 24, 27, c'est le soleil en réalité. C'est le soleil en réalité. L'éclair, c'est le soleil. Et quand le soleil se lève en Asie, le soleil est tout jaune. Et les hommes jaunes sur la terre, ce sont les Asiatiques. Et Dieu a cité du nom de Paul. Quand le soleil va à midi, le soleil est tout blanc. Les hommes blancs sur la terre, ce sont les Européens. Dieu a envoyé les messagers en tant que Martin Luther, John Wesley. Et quand le soleil va au soir à 18h, le soleil est tout rouge. Et les hommes rouges sur la terre, ce sont les Indiens. Et William Branham, Dieu a cité un prophète du nom de William Branham qui pourrait montrer par sa grand-mère qu'il avait le sang indien. Et il est venu accomplir Zacharie 14, verset 7, qui dit que à ce temps-là, il fera ni jour ni soir aussi. Ça sera un temps que Kakou Philippe a donné. Donc, l'éclair doit repartir en Asie. L'éclair aussi passe dans la nuit noire que l'Afrique. Si vous voyez que Paul était asiatique, les matins Luther était européen, William Branham était américain, pourquoi vous voulez que Dieu sorte de l'Afrique pour aller en Asie directement? Pourquoi vous voulez que Dieu parte directement à Élie et Moïse? Donc Dieu peut visiter le peuple africain? Dieu a envoyé la postérité d'Abraham 400 ans en esclavage. Qu'est-ce que cette postérité a fait? C'est parce que cette postérité n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a envoyés en esclavage là-bas. Et nous voyons aujourd'hui que cette postérité de l'Afrique noire qui n'a pas respecté les conditions de Dieu encore après le passage de Moïse, Dieu frappa d'une lèpre noire. Mais Dieu est souverain. Dieu a dit que par Abraham, il va venir, il va envoyer un sauveur pour libérer son peuple qui est en esclavage. Dieu aussi dit par Esaïe, son prophète, que il va pour cette postérité noire qui a été frappée de la malédiction de la race noire, il va envoyer aussi un sauveur et un défenseur pour libérer ce peuple noir. Et ce défenseur, ce sauveur, selon Esaïe 19, verset 20, c'est Kakou Philippe aujourd'hui. Quiconque veut pas, Kakou Philippe est son prophète. Quiconque rejette Kakou Philippe va en enfer. Quiconque rejette son message va en enfer. Quiconque rejette son message est un fils du diable. Quiconque attend Kakou Philippe, attend le nom de Kakou Philippe et dit, moi je ne peux pas suivre un homme alors qu'il va à l'église dimanche, c'est un démon. Quiconque attend parler de Kakou Philippe, lance directement les injures à travers cet homme qui vient lui présenter Kakou Philippe, est un démon. Vous dites que vous ne suivez pas, vous ne croyez pas à un homme qui vous prêche les dimanches dans vos églises catholiques, protestantes, évangéliques, branamis. C'est un oiseau qui est là-bas à la chair. C'est pas un homme. Vous êtes des hypocrites. Et les hypocrites, leur place est en enfer. Un enfant de Dieu n'est pas hypocrite. Donc, vous devez savoir qu'en une génération, ce verset de Jean 3, 16 est mis à jour. Vous ne savez pas, mais c'est cela. Avant que Jean 3, 16 ne soit manifesté en écriture, était déjà manifesté là-bas. Dieu me vous a dit par Moïse que moi et Noé étaient une seule personne à cette génération qui a été trouvée juste. Pourquoi en votre temps, vous voulez que Dieu envoie 10 Kakou Philippe? D'abord, mais vous n'accepterez pas Kakou Philippe. Pourquoi vous, en votre temps, vous voulez que Dieu envoie 10 prophètes? Parce que vous dites que le monde est grand. Ah, donc le monde a grandi. Autant de Adam, le monde, c'est pas le même monde. Donc Dieu a augmenté le monde. Ou bien c'est vous qui avez augmenté. Ah, si vous avez augmenté, il n'y a pas de problème. Mais le monde que Dieu a créé est toujours intact, n'a pas augmenté, n'a pas grandi. Et aujourd'hui, de la même manière, Dieu a envoyé Adam seul. Dieu a envoyé Noé seul, Dieu a envoyé Moïse seul, Jérémie seul, Esaïe seul. Lui-même il est descendu dans la plénitude, il n'était pas deux, il était seul. Après lui il y a eu Paul seul, il n'y a pas deux Kakou Philippe. Tous ceux qui cherchent
deux prophètes sont des démons. Tous ceux qui ont les 1000 prophètes sont des démons et les placent en enfer. C'est pas des fils de Dieu. Un fils de Dieu regarde par les écritures, il ne comprend pas. Mais quand le prophète vient leur expliquer, il dit amen et puis il avance. Nous on dit amen à Jean 3:16 qui est mis à jour aujourd'hui. Vous qui m'écoutez, qui allez sur cette vidéo, vraiment lisez Jean 3:16 d'un bon esprit et venez lire le message de Kakou Philippe. Je vous invite encore à lire, à télécharger le message du prophète Kakou Philippe. Tous les branamistes, car le prophète a promis un chapitre pour vous, Kakou 152, vous voyez, qui s'adresse à Evo Frank et tous les branamistes dans le message de William Branham. Allez-y, lisez ce chapitre. Ce chapitre va sortir le 20 juillet. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui au 17, dans 3 jours, ce chapitre sera disponible pour tout être humain sur la terre. Ce chapitre est disponible pour tout le monde. Allez-y lire ce chapitre. Vous pouvez aller sur Play Store, vous avez le prophète Kakou Philippe. Dès l'instant que, vous voyez, la révélation a sorti, ça sera mis à jour. Vous allez mettre votre livre à jour et vous allez voir que ce chapitre va apparaître et vous allez lire à la maison. N'écoutez pas quelqu'un, le salut. Ce n'est pas ton proche qui te donnera le salut, c'est Dieu qui te donne le salut à travers son prophète. Le salut est personnel. N'écoute pas ton prochain, n'écoute pas quelqu'un sur la terre à part le prophète que Dieu envoie. Et le prophète que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Le prophète que Dieu envoie apporte la bonne nouvelle sur la terre. Le prophète que Dieu envoie vient en aider sa génération dans l'ignorance, car cette génération est dans l'ignorance. Ce prophète que Dieu envoie vient apporter la lumière sur la terre. Ce prophète que Dieu envoie apporte la délivrance. Et nous avons vu aujourd'hui dans le message de Kakou Philippe, tous ceux qui ont été atteints par la COVID-19 ont été guéris. Tous ceux qui ont été atteints par les sida ont été guéris et attestés par la médecine. Tous ceux qui ont été possédés de l'esprit de grippe, de l'épileptique, tous ceux-là ont été guéris. Et aujourd'hui, vous voyez que nous ne prêchons pas des miracles, mais nous devons vous dire aussi que dans le message de Kakou Philippe, il y a des miracles qui se parlent et qui se passent ici. Et Kakou Philippe lance défi à toute la terre que si lui, il est prophète, il n'y a aucune maladie qui peut résister à sa prière. Vous voyez, car toutes ces maladies que vous voyez sont sous aussi la coupole de Dieu. C'est Dieu qui les a envoyées, qui a suspendu cela. Et quand toi tu agis mal, Dieu prend une maladie, il met ça sur toi. Et c'est son prophète qui vient l'enlever. Et parce que quand tu reçois son prophète, c'est que tu as reçu Dieu, tu as attendu la voix de Dieu et Dieu ôte cette maladie-là simplement. Dieu est au-dessus de la médecine. Votre médecine ne peut rien faire. Donc, c'est sur ces mots que je vais m'arrêter ce soir, car un nouveau chapitre sort pour la terre encore. Kakou 152, oui, s'adressant à Ewan Franco et tous les branamistes sur toute la face de la terre. Oui, lisez ce chapitre dans un bon esprit. Nous tous, nous attendons ce chapitre dans un bon esprit, car nous sommes créés par la parole. Et Matthieu 4, verset 4 dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, d'un seul prophète sur la terre, c'est Kakou Philippe. Et nous attendons les paroles, oui, qui s'adressent aux branamistes, car cela aussi s'adresse aux branamistes, mais à toute la terre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous ouvre l'esprit de comprendre Jean 3:16, que ce chapitre doit être mis à jour de génération en génération. Et quand Jean 3:16 n'a pas commencé à partir de Jésus en l'an 30, Jean 3:16 a commencé depuis le commencement avec Adam et est manifesté en écriture avec Jésus-Christ. Mais ce chapitre était déjà de l'actualité depuis Adam jusqu'à ainsi de suite à Jésus. Et aujourd'hui, ce chapitre est mis à jour au temps de Kakou Philippe aujourd'hui. Et après Kakou Philippe, ce prophète qui viendra après Kakou Philippe mettra ce chapitre encore à jour pour sa génération. Car Jean 3:16, Dieu l'a placé là, mais qui a une mise à jour aussi. Merci et que Dieu vous bénisse. Bye bye.